Rabbil Alamin. Nous implorons Allah qu'on s'éteigne le maudit, le banni, le tout miséricordieux qui est Allah, le très miséricordieux qui est Allah. Louange à Allah, Seigneur des cieux, Seigneur de la terre et Seigneur de l'univers. Maître du jour de la rétribution, c'est toi Allah Azawajal que nous adorons et c'est toi Allah Azawajal que nous implorons notre secours. Ya Allah, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblé de faveur et non pas de ceux qui ont couru ta colère, ni encore des égarés. Et nous en profitons de cette belle miséricorde de la part de notre Seigneur Allah Azawajal d'être présent ici, pas par notre force, pas par notre guidance, pas par notre bonheur ou encore par notre richesse, mais uniquement que par la miséricorde d'Allah, uniquement que par la miséricorde d'Allah, que nous tous nous sommes présents ici à Jamais Liberté. Moi, je suis présent ici à cause d'Allah et par sa miséricorde. Et celui qui roule, il est présent à cause de la miséricorde d'Allah. Celle qui va ou encore celui qui va est présent par la miséricorde d'Allah. Tout ce qui existe n'existe uniquement que par la miséricorde d'Allah. Et nous en profitons de cette belle miséricorde de la part d'Allah de s'interpeller les uns des autres, de se rappeler les uns des autres sur la voie de la droiture, la voie de la guidance. De dire ouvertement ce que Allah il aime et d'interdire ce que Allah il n'aime pas. Que Allah il nous dit dans la sourate 41, verset 33 à 34, et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah et fait bonne œuvre et dit, je suis un homme des soumis, je suis un homme des musulmans. De la meilleure des paroles, la meilleure des guidances, c'est de parler de notre Créateur. Mon frère musulman, ma soeur musulmane, mon frère non musulman, ma soeur non musulmane, écoute bien ce message, car en réalité, en vérité, le message t'est destiné. Pas parce que tu as l'habitude d'entendre ce message en arabe ou encore en bambara pour dire que le message ne me concerne pas. Loin de là. L'islam est une religion qui appartient à toutes les langues, à toutes les communautés, à toutes les nations, à tous les peuples qui existent sur la surface de la terre. C'est pour ça notre prophète Mohammed alayhi salam, qui est né en 570 et qui a reçu la révélation en 610, de son vivant et pendant son ministère, il avait des disciples qui n'étaient pas arabes. En exemple, on avait Bilal, qui était le muezzin même dans la mosquée du prophète Mohammed alayhi salam. On avait Salman al-Farisi, qui était un peuple qui n'était pas arabe, du vivant même du prophète Mohammed alayhi salam. Pour vous dire que cette belle religion islamique n'est pas une religion destinée à un peuple, n'est pas une religion destinée à un continent, loin de là. Mais l'islam est notre religion, l'islam est notre guidance, l'islam est la seule voie, l'unique voie, l'ultime voie du salut au 21e siècle. Mon frère, si tu m'entends, tu n'es pas encore musulman. Ma soeur, si tu m'entends, tu n'es pas encore musulmane, l'occasion t'est donnée aujourd'hui pour venir au moins dire ce que tu penses. Au moins libérer ta pensée. Si tu as des préjugés sur l'islam, l'occasion t'est donnée aujourd'hui pour venir au moins dire ce que tu penses. Aujourd'hui ici là, il n'y a pas Madou, il n'y a pas Baba, il n'y a pas Kourtoumou. Aujourd'hui là, c'est français, français. Il n'y a pas pour dire non, les musulmans n'aiment pas l'arabe seulement. On ne comprend pas. Aujourd'hui là, c'est français, français. Arabe la main à côté. Ce que vous pensez de l'islam en français là, venez nous, on va écouter ça. Parce que nous vous disons, le dernier messager, le dernier bâton que Dieu a envoyé pour la totalité des êtres humains, était le prophète Mohammed alayhi salam.
En dehors de lui, il n'y a aucun messager, aucun prophète qui est venu pour vous. Aucun. Ce n'est pas par passion que je dis. Ce n'est pas par plaisir. Mais sur la base des Écritures, sur la base des textes, il n'y a aucun prophète qui est venu pour vous, les Noirs, au 21e siècle. Le seul prophète qui est venu pour vous au 21e siècle, il s'appelle le prophète Muhammad alayhi salam. C'est pour ça qu'Allah nous dit, dans la sourate 34, verset 28, dit, et nous nous avons envoyé en tant qu'annonciateur, annoncer la bonne nouvelle du paradis et avertisseur pour avertir les gens du sentiment douloureux de l'enfer. Mais Allah, dans sa sagesse, dans sa grandeur, il t'a mis ce verset en disant, mais la plupart des gens ne le savent pas. Et nous, musulmans, on n'est pas des croyants qui rejettent la prophète. On n'est pas des croyants qui rejettent la parole des prophètes. Nous, musulmans, on croit en tous les prophètes. Mais on dit, et on persiste et on signe qu'en dehors de l'islam, en dehors de ce que le prophète Mohammed alayhi salam a enseigné, personne et personne ne peut accéder au paradis. C'est pour ça que nous avons déplacé la belle mosquée, les 4000 de la mosquée, de la rue, de la gare, pour vous transmettre le message d'Allah. Car en réalité, en vérité, vous n'avez pas un créateur digne d'adoration en dehors d'Allah. Le seul créateur, l'unique créateur, l'ultime créateur qui mérite l'adoration, c'est Allah. En dehors d'Allah, sachez que personne en dehors de lui vous est forcené dans le vent de votre mère. Le seul créateur, l'unique créateur qui mérite l'adoration, c'est Allah. Mon frère, ma soeur, si tu m'entends, si tu n'adores pas Allah, sache que tu n'es pas reconnaissant vis-à-vis de ton créateur. La seule manière d'être reconnaissant vis-à-vis de ton créateur, c'est d'adorer Allah. Mais si tu n'adores pas Allah, pour dire non, Allah là, c'est un Dieu arabe. Non, Allah là, il comprend une seule langue. Allah t'a dit ça où? Bon, dis-moi, Allah t'a dit qu'il comprend une seule langue où? Non, vous les musulmans là, vous priez en une seule langue. Votre Dieu comprend une seule langue. Moi, mes créatures d'Allah, je comprends plus que deux langues. C'est celui qui m'a façonné dans le ventre de ma mère là. C'est lui qui comprend une seule langue. C'est quand vous foutez ça là. Hein? Allah il nous dit dans la sourate 17 verset 110, c'est lui Allah Azodin qui comprend toutes les langues. Dans la sourate 30 verset 21 à 22, pareil. Dans la sourate 49 verset 12 à 13, pareil. Non, votre créateur ne comprend une seule langue. Réveillez-vous, hein? Il est temps de revenir à la raison. Il est temps de revenir à la guidance. Il est temps de revenir au salut. Le dernier prophète qui vous donne le salut, c'est le prophète Muhammad alayhi salam. Si ce, vous êtes ici là. A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Rabbi Israeli Sadra Sirli Amri Wahlul Obdatan Milisani Yafkaw Kawli Lakaja Kum Rasul Min Anf. Lakaja Kum Rasul Min Anfusikum Azizum Alejum Anitum Arisun Aleikum Bil Muminin Araufu Rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شالوم عليكم. Bonsoir ou bonjour.
dans l'endroit où vous nous recevez, Nam. Ou à l'heure que vous allez nous prendre. Vas-y, maître. Nous remercions en ce jour. Nam. Ce vendredi. Nam. 13 septembre 2024. Vas-y. Qui marque la fin d'une histoire. Nam. De ce jour. Vas-y. Parce que nous n'aurons plus de 13 septembre 2024 dans notre vie jusqu'à ce qu'on va retrouver les tombeaux. Claire. C'est comme ça. On n'aura plus de 13 septembre 2024 dans notre vie. Que chacun ici présent soit informé d'avance. Qu'on le rappelle. Qu'on lui dise qu'est-ce qu'il attend réellement. Et je l'ai toujours dit, nous on peut bien le faire, venir faire la promotion d'un médicament. Claire. On peut venir faire la promotion d'une boisson. Wallah. Pas plus tard même que un jour même, ceux même qui sont rentrés en contact avec nous d'Indjama, Nam. C'était de faire la promotion des caleçons sur notre page. Et puis caleçons des femmes. Où est les choses comme ça? C'est, ils vont faire passer publicité des caleçons de femmes sur notre page YouTube. Et puis c'était des millions, hein, c'était des millions, ils allaient nous verser. Maintenant, on peut être attiré par ça. On peut dire, oui, bon, quand on va faire ça, on va dire aux gens après que c'est quelqu'un qui a piraté notre page. On peut faire ça. Et puis les gens même allaient reconnaître que peut-être c'est forcément quelqu'un qui a piraté notre page. Alors que c'est notre jeton qu'on a eu. Mais ce n'est pas notre objectif, les frères. Nous, on a notre souci, là, c'est l'au-delà. Notre souci, là, c'est l'au-delà. C'est pour cela que, bien que c'est vrai, on fait des fautes, des erreurs. Non. Mais d'abord, on pense à Allah. Oh non. Dans ce qu'on fait. Claire. Parce que tu vas beau vivre. Non. Tu vas être le plus grand Choco, écoutez, d'Adjamé. Oui. Le plus grand Noussi d'Adjamé. Nam. La plus grande commerçante d'Adjamé. Vas-y, maître. Le plus grand syndicat ou bien celui qui a plus de baka. Même le plus fort. Nam. D'Adjamé. Mais tu ne seras que pour ta génération. Wallah. Tu ne seras pas pour les autres générations. Claire. On a tous connu ici. On dit John Pololo. Lamte ou je ne sais quoi, tous ces groupes-là, ils n'ont été que des chefs pour les générations. Claire. Dès que tu meurs, c'est où? À quoi ça sert de ne pas être quelqu'un qui sera pour toutes les générations et puis faire le malin? Wallah. Chercher à forcément désobéir. Nam. Chercher forcément à ne pas respecter ce que Dieu dit. Wallah. Ça sert à quoi? Rien. Ça ne sert à rien. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit prendre conscience. Quand nous venons, c'est pour se rappeler. Si ce n'est que se rappeler, si c'était dans deux générations, ou bien les générations présentes, passées, nous ne sommes que maîtres de notre génération. On ne peut pas être les maîtres des autres générations. C'est comme ça, avant que nous ne naissions, d'autres étaient maîtres de la génération. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit prendre conscience. Quand nous on vient ici, c'est pas pour vous insulter. C'est vrai, souvent on a les propos un peu durs dedans. Mais on a un seul objectif avec vous ici. C'est pour qu'on puisse suivre Dieu ensemble. C'est tout. Nous on n'a pas dit on suit Dieu fatigué, dernier cri. Non, non, non. Oh non. Mais nous on applique
Une règle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Écoutez. Il dit, l'image, si je peux m'exprimer ici, de ceux qui doivent défendre la vérité, ou bien interdire le mal là. Écoutez. Il dit, vous savez, ça ressemble à qui? Ça ressemble à un groupe de personnes qui sont sur un bateau. Écoutez. Au-dessus du bateau, il y a ceux qui connaissent. Ceux qui peuvent dire, bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Maintenant, dans le bateau en bas, il y a ceux qui ne connaissent pas. Les ignorants. Maintenant, les ignorants ont soif. C'est-à-dire, ils veulent boire de l'eau. Et puis, entre eux, ils sont en train de parler. Et un dit, on va percer le bateau là. L'eau qui va rentrer là, on va boire. L'autre dit, bon, c'est vrai, tu as raison. Hein. Maintenant, ceux qui sont en haut du bateau ont entendu cette parole. Écoutez, hein. Que les ignorants en bas dans le bateau disent, quand on a percé le bateau, comme on a soif, hey. L'eau qui va rentrer, donc on va boire. Sérieux, hein? Pourquoi? Parce que l'ignorance les pousse à percer le bateau tout en oubliant que ça va couler, tout le monde va couler puis vont mourir. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants, ils ne savent pas. Claire. Donc le prophète Mohammed Sassam dit, ceux qui sont en haut, oui. S'ils se taisent, écoutez, et puis les derniers pèsent le bateau, qui va rester en vie? Personne. Personne. Il dit, c'est comme ça le mal dans une société. Il y a des ignorants dans la société. Qui font le mal. Ceux qui ont la capacité de dénoncer, oui, ne dénoncent pas. Ah. Ils pensent qu'ils sont protégés parce qu'ils ont le savoir de ça. Écoutez. Non, non, non. Ça va finir par te prendre. Voilà. C'est pour cela que il faut quitter dans le bateau au-dessus pour aller jusqu'à en bas où il y a les ignorants. Et là, dit non, 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 ne faites pas ça. Patientez. Prenez courage. On est presque arrivé. Sinon, si vous percez le bateau, vous et nous, on va tous mourir. Claire. Il dit, c'est comme ça on doit informer les gens. Oh, quand nous avons une vérité, quand nous avons une information. Mais regardez aujourd'hui, dès que tu vas te mettre à commencer à dénoncer ça, première des choses, c'est qu'ils vont mettre sur toi, tu te crois saint. Ça, t'es trop saint, quoi. Ça c'est un. Ils vont venir dire, les trois fois saints, pardonnez-nous. Voilà. Ceux qui n'ont jamais péché, pardonnez-nous. Hein. Pardonnez-nous. C'est nous, on péché. Ceux que, c'est, ils vont citer toutes sortes d'arguments farfelus. Farfelus pour se conforter, oui, dans la posture de péché, voilà, ou de pécheur. Claire. Ou bien, non, ils auront un mensonge qui passe dans leur tête en disant, c'est Dieu qui juge. Ça c'est la parole la plus bâtard qui puisse exister. Vas-y, maître. C'est la parole la plus voyou que quelqu'un puisse prononcer sur cette terre. Claire. En disant, c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui juge. Tu connais le sens de ça? C'est Dieu qui juge. Dieu juge comment? Posez la question. Vous êtes la meilleure communauté. Sourate 3, le verset 110 par là. Oui. Vous êtes la meilleure communauté. Que Allah Azzawajal a fait surgir sur la terre. Surgir parmi les hommes. Parce que vous adorez Allah. Vous ordonnez le bien. Et vous interdisez le mal. C'est Allah qui est descendu pour venir ordonner l'interdit. Hein? Pardon? Hein, famille? C'est Allah qui est descendu. Mais pourquoi? Allah a donné l'autorité à l'homme de juger. Il n'est nulle part écrit dans aucune écriture, que ce soit le Coran, ce soit la Bible, je ne sais où là. Il n'y a aucune écriture où le jugement, Dieu l'a mis uniquement dans sa main. Jamais de la vie. Dieu s'est donné le droit de donner une partie du jugement à l'homme. Claire. Sinon là,
Le voleur finit de voler et puis on dit c'est Dieu qui juge. Pourquoi tu es là-bas? Bande de voyous. Quand ils ont fini de te voler, pourquoi tu vas à la police? Faut t'asseoir pour dire c'est Dieu qui juge. Quand les gens ont tué les gens ici, non. Pendant crise de poste électorale, là, pourquoi vous ne dites pas que c'est Dieu qui juge? Et vous ouvrez votre bouche pour dire qu'on doit les juger. Hein? Dites que c'est Dieu qui juge. Ou bien, c'est Dieu qui juge, on doit encore regarder, nous tous on doit regarder là. Et puis Dieu va envoyer, si Dieu va descendre pour juger. Mais simplement la seule chose, non, que Dieu nous demande dedans, non. C'est qu'on doit juger avec la justice. Claire. Pas avec la corruption. Voilà. Dieu n'interdit nulle part de ne pas juger. Non. Mais il nous prescrit de juger avec la justice. Claire. Et la droiture. Voilà. C'est comme ça que Dieu nous demande. Claire. Mais aujourd'hui, il y a des hypocrites. Non. Qui se sont levés. Non, c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui juge. Tu n'as pas le droit à juger. Tu n'as pas le droit à juger. Quelqu'un est whoopi. Non. On parle de ça. Oui. Vous partez, surtout les femmes inconscientes là. Non. C'est elles qui s'asseyent pour dire non. Laissez-les, c'est leur vie. Que Dieu fasse qu'il parte la paix ton mari. Quand il va prendre goût dedans, tu vas comprendre s'il va te toucher encore. Bande de sorcières. Vas-y, maître. Des gens comme ça, non. Qui sont là pour attirer la colère de Dieu, oui. On qu'à voir, et Dieu même a été le premier à condamner cet acte, non. C'est nous qui l'envoyons comme ses représentants. Écoutez, c'est nous, on ne doit pas parler de ça. On parle, non, 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 laissez, c'est la vie, c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui fait tant, c'est Dieu qui. Tous ceux qui sont dans celle qui, c'est Dieu qui juge. Non. On est Dieu, on a qu'à faire que bon truc n'a qu'à vous arriver. Si vous partez ouvrir votre sale bouche pour aller à la justice, vous dites qu'ils n'ont qu'à régler là. Dieu vous attend là-bas. Et les parents conneries comme ça, ça sionne dans la vie. Non. C'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui juge. L'homme n'a pas le droit de juger parce que c'est écrit tant. Dieu n'a jamais dit de ne pas juger. Jamais de la vie. Dieu a donné le droit à l'homme de juger. Claire. Mais simplement que l'homme doit juger avec la justice. Claire. Pas avec la corruption. Wallahi. Allah dit dans le Coran, Allah dit parle avec justice. Même si ça dit d'un proche parent. Juge. Allah dit juge contre eux avec la parole de Dieu. Wallahi. Même si ça dit d'un proche parent. Même si c'est d'un proche parent. Jésus avait dit quoi? Ne jugez pas. Non. Selon l'apparence. Oui. Mais jugez. Non. Avec la justice. Je sais la partie de verset 19. Vous êtes quitté où avec un pas d'hypocrisie qu'on ne doit pas juger. Question. Quand vous voulez rester dans la désobéissance. Non. Quand vous sentez dans le péché. Oui. C'est dans ça que vous voulez vous parler ces paroles bande de cons là. Wallahi. Billah. Les microbes étaient en train de faire des ordres en Côte d'Ivoire. Non. Pourquoi vous n'êtes pas sorti à la télé pour dire c'est Dieu qui juge? Et vous ouvrez votre sale bouche pour dire la police n'a qu'à intervenir. On va les laisser. On va les laisser, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et puis Dieu va juger, on va voir. Voilà. Regardez-moi des paroles bandées cons comme ça. Et les musulmans aujourd'hui sont tombés dans ce langage des mécréants. Voilà. Mais c'est les mécréants qui sont fans de ça. Hein. Mal même. Mais aujourd'hui, ils ont attiré les musulmans dedans. Vous allez voir un musulman venir dénoncer non. Un acte répréhensible, condamné et condamnable par là. Non. C'est d'autres musulmans qui vont venir en bas pour ouvrir leur bouche. Tu n'as pas le droit de juger. Voilà. C'est Dieu qui juge. Ça, t'es tôt, ça t'es c'est un couffard, ça. Et puis, t'es tôt, Warabia. Ça, c'est Warabia. Le Warabia, vous êtes trop dur. Dans des musulmans modernisés. Musulmans modernisés. C'est des hypocrites. C'est habillé où? Des hypocrites qui sont dedans. Si vous ne voulez pas pratiquer la religion, sortez. Claire. Non, vous a dit que nous, ça nous va dire. Wallahi. Tu n'es pas prêt 5 fois par jour, on t'oblige. Va. Voilà la mec, tu vas voir. C'est là que tu vas comprendre que toi, tu as pris à 2 balles que tu fais ici, ça ne sert à rien. Billahi. Va, tu vas voir. Quand on est au Hadj, là-bas, on a vu que nous, les noirs, on ne représente rien. Quand tu vas au Hadj, c'est là que tu vois que les noirs ne représentent rien. Oui.
tu prends 200 personnes arrêtées, tu peux compter les noirs dedans. Mais c'est nous, hein. On s'assoit sur les réseaux sociaux. Non, les religions là, c'est venu prendre notre argent. Les religions là, on prend notre argent pour aller nourrir l'Arabie Saoudite. En Côte d'Ivoire ici, écoutez bien. Écoutez, hein. Ces bandes de délinquants intellectuels là. Écoutez bien. En Côte d'Ivoire ici là. Non. Quand l'État veut faire que le pays va fonctionner. Oui. Une année. Non. À l'époque, on dit que c'était environ 2000 milliards. On dit 2000 milliards, je prends ce chiffre-là. 2000 milliards, ça dit quoi? Pour financer tout ce qui va se passer en une année. On dit 2000 milliards. Milliards. Ok. Quand on fait estimation de Hadja, non. Tout ce qu'on fait dans dépenses de Hadja, oui. On dit ça va à 5 milliards. Écoutez. Hein. Alors que 5 milliards, c'est pas comme ces 5 milliards, on fait un coup. Et puis ça, on s'en met dans les Saoudiens. Non, non, non. Il y a billets d'avion. Un. Il y a droit qu'on paye en Côte d'Ivoire ici. Deux. À l'État. Il y a droit qu'on paye à l'État. Non. Il y a droit qu'on paye pour billets d'avion. Il y a droit qu'on paye pour hôtel, même où tu n'es même pas encore à la Mecque. Tu payes dans un autre pays si tu es là-bas. Tu payes tout. Quand tu es à Dubaï. Ah. Si on enlève tout ça là-dedans. Dans les 5 milliards que tous ceux qui sont fait Hadja, yes, sont bons, il va rester combien? Fouille. Donc vous allez me dire, bon, supposons qu'on n'enlève rien. Non. Supposons que c'est 5 milliards. Mais il faut mettre 10 milliards. 10 milliards que l'Arabie Saoudite prend. Pour mettre sur eux, soit selon vous, c'est l'an de Hadj. 10 milliards peuvent faire vivre l'Arabie Saoudite pendant une année. Là, tu as payé là, 10 milliards peuvent faire vivre le pays. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, nous, on a bien environ 2000 milliards. 2000 milliards. Donc c'est 10 milliards. L'Arabie Saoudite prend pour fonctionner. Donc, c'est 10 milliards de Hadja qu'eux, ils prennent pour choses, pour payer les Américains avec la base militaire qui est chez eux là-bas. Ils sont trop sorciers, voilà. Ce sont des bandes de jaloux, même. On a en Arabie Saoudite, la voiture allumée, voiture de policier, là. Non. Ça allumait à 8 heures, jusqu'à 8 heures de l'autre matin. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. De toute façon, pour nos clients, pour eux, si c'est garé, ils éteignent. Là-bas, c'est pas point. Hein. Là-bas, voiture l'a allumé. Il est assis dedans comme ça, jusqu'à le lendemain. Un frayon. Un frayon, c'est quoi qu'il y a? Carburant. Attends, c'est 10 milliards qui peuvent faire ça, qui peut régler ça. On va les conneries comme ça. Et ils sont sur les réseaux sociaux. Non. Non, c'est la religion qui nous met en retard. C'est la religion qui nous fait teint. C'est la religion. La religion. Mais si tu es un délinquant. Non. Tu vas accuser la religion. Wallahi. Dubaï, ah ok. Dubaï, oh, eux là, ils n'ont pas Hadj là-bas. Écoutez. Mais nous, on peut se comparer à eux. Jamais. On peut se comparer à eux. Jamais de la vie. Les aéroports là, notre aéroport peut se comparer. Tu as déjà vu l'aéroport, c'est métro qui prend pour arriver de l'autre côté. Tu as déjà vu ça? C'est à Dubaï. Si tu marches d'ici, du bout de l'aéroport, jusqu'à la tu es capable de faire 2 heures du temps avant d'arriver de l'autre côté. Donc c'est dans le métro que tu montes et puis ça te prend pour aller te mettre en devant. Nous, notre aéroport petit, on est joué là, ça peut se comparer à vous. Donc Dubaï a. Dubaï, c'est Hadj qui a pris, ils se sont développés. Mais alors que chez eux là-bas, non. Quand il est 13h, les magasins ferment, on s'en prie. Quand il est 16h, les gens sont priés. Quand il est 5h, les gens sont priés. Mais comment se fait qu'ils sont développés? On est juste des délinquants. On est juste des délinquants, c'est tout. Aujourd'hui, le gars, il va payer son taxi. Il va envoyer son taxi. Non. Il va mettre un chauffeur dedans. Écoutez. Il arrive au quartier. Non. Les gens vont crier. Sans taxi. Madou, un taxi ça. Madou, Madou. Demain Madou arrive. Il va, ils ont déployé courir en bas des taxis. Hein. Ça, c'est la région qui a dit de faire ça. Bande de voyous. C'est la région qui a dit de faire ça. Ou bien Madou non. Va envoyer son taxi. Écoutez. Le lendemain, il revient. Il y a un délinquant, il y a un maudit qui a enlevé les pneus. C'est la région qui a enlevé les pneus. Question. Hein?
c'est la religion. Regardez-moi les conneries comme ça. Quand on est fainéant là, non. On t'a invité de mettre nos choses sur les gens. Wallahi billah. La religion nous ordonne de travailler. La religion nous ordonne de travailler. La sourate du monde aujourd'hui qu'on a fait, au verset 8 à 10. Alors, dit quoi? Alors, il dit, lorsque vous finissez la salade, accourez. Facile ou fil ardre. Allez-y, sautez. Allez chercher quelque chose à manger. Allez chercher quelque chose à manger. Comment se fait que Dieu peut nous. Dieu dit qu'on finit prière, il nous chasse. Et quand le prophète parlait des affaires, il fait la prière, il a dit quoi? Et lorsque vous faites la prière, non. Ne la rendez pas trop longue, ne la rendez pas trop courte. Oui. Et respectez le juste milieu. Wallah. Parce que parmi vous, non. Il y a des vieillards, oui. Il y a des malades, non. Il y a des gens qui doivent aller au travail. Wallah. Attaque-moi. Oh. Mais comme on est ici en Afrique, non. Il y a des maudits parmi nous, c'est eux qui viennent, la région nous nie, la région nous fait ça, la région dit des tant. Et surtout ces kémites là, voici des délinquants aussi. On peut retourner à nos ancêtres. On peut retourner. Donc, c'est-à-dire dans 100 ans, vous qui parlez, vous serez ancêtres, on doit vous adorer. Wallahi. T'as un frappeur d'Aoko comme ça. Hey. Donc, dans 100 ans, c'est toi, les gens doivent adorer. Question. Toi, tu utilises les réseaux sociaux des Blancs. Tu utilises Internet des Blancs. Non. Tu utilises choses, caméra des Blancs. Écoutez. Hein. Tu utilises avion des Blancs. Non. Tu utilises voiture des Blancs. Tu utilises, il a dit même l'air même à respirer des Blancs. Tu utilises tout ça là. Et c'est toi qui dis non, encore revenir à nos sources. Il a arrêté la caméra. Hein. Et puis ce qui me fait mal, il ne porte pas les tenues traditionnelles de nos parents là. Hein. Écoutez. Ils ont porté veste, ils ont porté Tommy et Figure. Et puis c'est lui qui s'assoit, encore retourner à nos ancêtres, retourner à nos ancêtres. Et tu le vois, il porte lunettes encore, ses lunettes au Dolce & Gabbana. Et tout, puis tout, il dit encore retourner à nos ancêtres. Tout c'est pour Blanc. Il dit encore retourner à nos ancêtres, ce gars-là. Un délinquant comme ça. Les bien sapés. Hein. Bien sapés, quoi. Et puis il raconte les bêtises comme ça. Mais nous, chez nous, en Issama, non. Nous, maintenant, les gens nous permettent, écoutez, d'aller étudier la science, Wallah, des autres pour pouvoir maîtriser ce peuple. Claire. Mais à la seule différence que les musulmans ne respectent pas ce que le prophète dit, c'est tout. Si le prophète enseigne ça, qu'on doit aller apprendre la science, qu'elle soit religieuse ou profane, dans le but de maîtriser et cerner le peuple. Claire. Mais aujourd'hui, quand les Blancs veulent venir nous dominer, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient d'abord des gens qui se jouent à des touristes dans nos pays. Claire. Ils regardent comment soit peut-être les syndicats fonctionnent ici. Ils savent que peut-être il y a un chef qui est là. Et puis il y a ces Niamoros qui sont à côté de lui. Quand ils finissent de regarder ça, ils s'en vont, ils donnent l'information ça. Le juge dit, bon, on va arrêter les syndicats. Toi, tu penses que tu es prêt. Il a déjà vu tout ton circuit. Il sait où tu vas dormir, il sait où tu vas chier. Dès qu'ils arrivent, net là, c'est comme ça qu'ils font. Et puis ils matent nos rébellions. Parce qu'ils sont descendus sur le terrain, ils ont étudié la culture. Et ça, là, le prophète a enseigné ça. Mais on n'applique pas. On n'applique rien de ce que le prophète a dit et on se plaint. Comme on le disait la fois dernière. Non. Une soeur, la soeur là, comme ça, elle vend Placali là. Les gens vont voir que ça marche. Et une autre soeur va voir que ça marche. Elle est assise dans son coin là-bas. Déjà, au lieu que dans sa terre, elle va dire bon. Comme c'est les vents Placali. Souvent, il y a des gens qui aiment manger Placali et puis ils boivent jus dessus. Bissa. Est-ce que c'est pas mieux de mettre Bissa à côté? Voilà. Ou bien quand elle n'a pas l'eau là, moi il a fait l'eau glacée à côté. Claire. Elle ne va pas réfléchir comme ça. Hein? Écoutez. Hein? Mais son seul problème, non. C'est pour regarder combien l'autre la gagne d'abord. Ah, c'est les gagne trop, hein. Ah, ils sont charmants trop. Mais elle quitte un matin, au lieu de venir vendre l'eau à côté, non. Pour que les deux vont manger, oui. Elle vient vendre Placali aussi, et puis elle est devant, puis elle est contente. Bande de sorcières. Une délinquante aussi comme ça, elle est là. Et c'est comme ça la mentalité du noir. Voilà. C'est le raisonnement du noir qui est comme ça. Claire. Blanc ne réfléchit pas comme ça. Allez-y en Europe, la plupart des Occidentaux là. Quand ils font une chose, lui-même qui fait ça, se dit, il fait sciemment de faire société là, sans tout fabriquer là-bas. Pour que quelqu'un d'autre fabrique autre société. Quand quelqu'un fabrique en Europe,
il n'y a pas usine de téléphone complet. Il y a un qui fabrique habillage. Non. Il y a un qui fabrique batterie. Il y a un qui fabrique puce. Il y a un qui fabrique tant. Qu'est-ce qu'il fait? Donc quand c'est comme ça, tout le monde arrive à la chose, à manger. Suivi. Mais on peut péter si c'est chez nous ici. Oh. Madou va dire bon. Bon, téléphone, il y a puce. Nous, on fait puce. Voilà. Téléphone, il y a batterie. Nous, on fait batterie. Téléphone, il y a écran. Nous, on fait écran. Ah, téléphone, il y a chargeur. Nous, on fait chargeur. Ça, c'est le noir. C'est la réflexion du noir qui est comme ça. Regardez-moi les trucs comme ça. On a cette mentalité-là. Non. On ne travaille pas pour enlever ça de nous. Écoutez. Et on accuse les blancs. Voilà. On accuse les blancs. On accuse la religion. La plupart des désordres qu'ils ont fait là, non. Vous avez déjà vu les blancs. Les blancs là, se mettent entre eux. C'est-à-dire, un blanc s'en va prendre défense et s'en va être contre un autre blanc à cause du noir. Tu as déjà vu ça? Jamais. Vous avez déjà vu ça? Mais c'est pas chez nous, sinon on est comme ça. Toujours. On nous utilise pour faire du mal à l'autre. Toujours. Et on dit c'est les blancs. Les blancs, on fait quoi? Quand ils sont venus déposer là devant toi, ils t'ont dit que c'est forcé. Pourquoi nous on va pas déposer là chez eux pour dire bon, là, prends l'argent, hein, je veux que tu gardes ton autre frère blanc. Notre mentalité, c'est ça qu'on doit travailler. Arrêtons d'accuser la religion, arrêtons d'accuser les autres, c'est d'abord nous-mêmes. Wallahi. Tant qu'on va rester dans ça, c'est pour ça que moi je suis là, je dis bon, si tu veux faire une lutte où tu vas perdre, il faut faire lutte pour les noirs. Si tu veux échouer sur terre, il faut lutter pour les noirs. Voilà, Bilal, tu vas échouer. Tu vas échouer à 90%. Non. Même si un président de la République vient aujourd'hui, non. Il passe en chaque coup. Écoutez, pour donner un sac de riz. Riz cassé. Écoutez bien. Chaque coup, il doit riz cassé. Tu vois, deux qui vont s'asseoir. Lui-même, c'est riz cassé quoi. Lui, parce que c'est riz cassé, non, il mange seulement quoi. Voilà. Il ne va pas envoyer riz long grain. Alors, c'est cadeau, on lui donne. C'est le noir qui réagit comme ça. Non. C'est comme ça le noir est. Donc, si tu veux perdre une lutte là, il faut lutter pour le noir. Tu vas perdre déjà. Ça, faut confirmer que tu vas perdre. Parce qu'on est très mauvais. Moi, ça m'est arrivé au lycée. Non, non. Au lycée, qu'est-ce qui s'est passé? À l'heure des PS, qu'est-ce qui se passe? Avant que le professeur arrive là, non. Soit paie un peu du temps. Donc nous, entre les garçons, on joue ballon, les trucs comme ça. Donc elle nous a vus de loin. Dès qu'elle est arrivée net, on est tous rentrés dans le rang. Elle dit, tous ceux qui étaient dans le rang, mettez-vous à côté. Donc nous, on ne voulait pas se mettre à côté. Mais dès qu'elle a dit que si vous ne vous mettez pas à côté, non. Tout le monde a zéro. Tu vois, un temps chacun va. Il se met les mains sur toi comme ça. Toi-même, tu comprends rien. Bien. Mais comment est-ce que c'est moi alors que les ont mis les mains sur toi? Tu t'en as vendu. Non, moi, on ne peut pas couler ensemble, pas couler seul. Donc elle nous fait sortir. Non. Elle nous met en genoux. Sur le truc, goudron de basket. Il était dessus. On a cru qu'elle va faire juste 15 minutes, 30 minutes, nous mettre en genoux. Alors qu'on était en chose, on était en terminale. Ah, tiens. Elle nous met en genoux comme des enfants, comme ça. Moi, il dit, ah, les gars, tiens, on casse et lever. Zéro qu'elle avait donné à donner. Elle a dit, ouais, c'est vrai, on casse et lever. Je dis, bon, moi, je donne le top départ. Dès que moi, elle dit, celui qui se lève, il prend sa roue, il s'en va. Il a zéro de moyenne. C'est pas zéro en tout cas, il a zéro de moyenne. Compliqué. Moi, je dis, non, les gars, c'est foutaise. Les autres aussi, c'est foutaise, écrase, c'est foutaise. Allons-y. Je me lève net. Ils sont assis. Ils sont assis. Ah, écoute, tiens. Nous, on a fait des moyennes, là, nous, on n'a pas bonne moyenne. Hein. Moi, ils m'ont fait ça au lycée. Oh. Moi, je me suis levé avec deux de mes gars.
c'est mon, il y a mon voisin et plus chose. Non, nous avons zéro de moyens. Et c'est dans ça là que je n'ai pas pu être premier de classe. Hein. Je suis devenu quatrième. C'est à cause de ça. Allez-y au lycée modèle Koumassi. Pour dire le noir. Voilà, Bila, si tu veux perdre quelque chose, une lutte à terre, lutter, va faire pour le noir. Ça fait longtemps que tu as perdu. C'est pour cela. C'est qui fait ton bonheur là. Nam. Et qui plaît à Dieu là. Nam. Fais-le. Wallahi billah. Fais-le sans te soucier de quelqu'un. Mais. C'est qui fait ton bonheur. Nam. Et qui plaît à Dieu là. Oui. Fais-le sans se soucier de quelqu'un. Sinon, tu vas souffrir cadeau. Mais un vrai cadeau, tu vas souffrir. Regarde aujourd'hui. Non, les gens là, ils font ça. Les gens vont me voir. Moi aujourd'hui, je suis là. Je prêche. Même tous ceux-là, ils sont là. Ah, où ça. Mais ils n'ont qu'à dire le soir, ils rentrent et puis je suis décédé. Même lui, chacun d'entre eux va pleurer. Mais quand le lendemain, ils vont arriver chez moi. Non. Et puis ils vont commencer à déposer matin. Œuf avec œuf, chose, on met la taille pain. Tu vois comment ils vont tuer. Ils vont prendre sa propre même. Elle est que. Ils vont manger un écras. Et où ça? Aïe, ah, yeah, Allah. Ça, c'est l'être humain. Faut péter, non. Ton parent est décédé. Et puis les gens arrivent, il n'y a pas à manger. On tu as compris quel décès que tu as eu là. C'est pas toi. Bon, mais attends, qui? On mange pas quoi? On mange pas quoi? Ah, on est arrivé depuis le matin, il n'y a pas à manger. Alors que le gars, son parent est mort. Wallahi. C'est nous, on doit dépenser. Pour lui, hein? Oui. Mais c'est nous, on s'en met des pains sur lui. Wallah. Ça, c'est quelle mentalité, ça? Wallah, billah. Et au même moment, je préviens. Non. Ceux qui font les mariages où on ne mange pas dedans. Eh. Ça, il faut que je donne l'information un temps. Parce que les gens font des mariages. Non. On ne mange pas dedans. Un mariage où on ne mange pas. Eh. C'est un faux mariage. Nous, là, on s'en fout. Si on va dans ton mariage, si ton mariage a réussi, non. C'est qu'on a mangé. Claire. Au moins chacun a mangé trois plats différents. Au moins. Mais regardez des gens. Ils sont organisés mariage. Non. Tu attends que son mariage, a, ça fait 2 500 000. Toi, tu penses que c'est 1 500 000 qui est mangé. Hein? Déjà, c'est 300 000 francs seulement qui est mangé dedans. Lui et sa femme. Ils sont s'échangés 5 fois. Regardez-moi les conneries comme ça, c'est quoi? Nous, on vous a dit que c'est à faire des choses. Oh. Gilles Touré, et vous allez venir faire mannequinat devant nous. Qu'est-ce que on vous a dit ça? Vous changez 5 fois, c'est quoi le projet? Et souvent même, non. Le mari, il a problème avec ça à cause de sa femme. Voilà, il peut le crédit non, à cause de ça. Je dois me changer 3 fois. Non, tu connais, moi, il faut que je porte en tenue traditionnel. Après, il faut que je porte tenue européen. Après, ça, il faut que je porte tenue. Des trucs comme ça. La femme est seule. On met environ 300 000 ou bien 400 000 dans beaucoup d'habits. Wallahi. Souvent, ça dépasse le maître. Ça va loin même. Je t'ai dit. J'ai dit, dans l'habit seulement les deux. Les deux. Pour se changer 10 fois, ils ont déjà dépensé 1 000, peut-être même 500 000, 800 000 les deux. Mais des fois, on est 1 000 propre. On arrive net. Non. Sur la table, on nous met des décors. Bissab. On met Bissab. Non, on nous met des décors, des billes qui gonflent dans l'eau. C'est, on t'a dit, c'est ça, on va aller manger, mon frère. Faut péter, ré. Non. Même en cas, il y a ton mariage. Oui. Lumière, là. Lumière n'a qu'à quitter comme ça. Pour venir taper dans notre visage. Mon frère. Ton mariage n'a pas réussi. Claire. La seule occasion où ton mariage réussit là, c'est où on mange. Claire. Là comme ça, les cœurs sont contents. Donc quand vous organisez les mariages, non. Pensez à l'essentiel. Voilà. Ne pensez pas à l'inutile. L'inutile là, non. C'est le fait d'aller s'échanger 5 fois. Ça n'a aucun projet. Si tu disais tu as déjà changé 5 fois là. Non. En tout cas, faut te préparer que là, on a bien mangé. Claire. On a bien bon. Eh, pour moi, vous avez regretté, non? Ah, mais demandez.
Il y a meilleur rébissé. C'est comme ça. Quand c'est comme ça, ça c'est comme c'est sadaka qui est fait. Wallahi. Quand les gens viennent bien manger, là, c'est comme c'est sadaka qui est fait. Il y a trop de doigts derrière. Mais on arrive dans des mariages. Beaucoup de choses inutiles. La femme se chante 5 fois. Écoutez, l'homme se chante 40 fois. Et ils viennent se présenter à nous. Oui. Pendant qu'on arrive, c'est deux feuilles de salade avec deux concombres. Entrez. Regardez-moi les choses. Comme ça, la dimension n'en veut sortir. Débrouillez-vous, hein, si vous m'invitez dans un mariage. Débrouillez-vous que peut-être on va manger à la fin. Ah. Sinon, si on a mal au début, puis la cérémonie commence. Ah, vous avez l'île, hein? Vous avez l'île. Mal, le. C'est peut-être si vous avez prévu porter d'autres habits, vous avez gardé ça. Là, il y a où décourager. Vite même. Quittons dans ça. Le mariage, ça ne se limite pas là. Claire. Il y a toute une vie. Wallahi. Quand quelqu'un finit de se marier là, sur 3 mois, s'il n'a pas de réserve, c'est dangereux. Il va penser que c'est malédiction. Il va penser que c'est l'enfer, il est parti vivre. Wallahi. Mais alors que tu pouvais éviter beaucoup de choses. Billah. La femme qui a s'échangé 5 fois, et puis tenu là, va faire peut-être 500 000. Tu ne pouvais pas prendre 200 000 pour payer sac de riz, pour stocker, payer tomates, tout ça pour garder. Et puis payer ton propriétaire de maison d'avance. Tu ne pouvais pas faire ça. Wallahi. Maintenant, quand tu t'as changé d'habit, la femme s'est changée 5 fois. Toi, tu t'es changé 5 fois. T'as ça quoi? Produit quoi derrière? Quoi? T'as gagné quoi? Ça a donné quoi? Voy. La seule chose que ça a donné, c'est le matu-vu. Matu-vu. Et un matu-vu. Non. Qui ne t'apporte aucun bénéfice. Voy. Zéro. Et ça, voici comment l'homme réfléchit. Wallahi. Et sans oublier. Je te dis, vas-y. Que ici, là, c'est le tatami. Hein. On parle de la vie active. Je vais revenir. Mais si tu n'es pas musulman, tu n'iras pas au paradis. Hein. Je vais revenir un peu dessus. C'est doux, hein. Ce qu'on dit là, c'est doux, non? Mais ma raison, si tu n'es pas musulman, tu ne dois pas. Hein. Où ça, bismillah? Pour les familles. Non. Si vous voulez vous marier, là. Écoutez, il y a des dépenses que vous pouvez éviter. Wallahi. Si vous n'avez pas les moyens. Claire. Mais si toi tu tiens debout là. Non. Comme l'Indien, le milliardaire là. Lui quand il a fait mariage là. Lui au moins ça. Tiens debout. Il a invité Rihanna. Il a invité créateur de Facebook. Il a invité les David Beckham. Tout ça là. C'est un milliardaire. Il a donné 9 millions de dollars, je pense bien, à Rihanna. Faut calculer un peu, envoie ce que ça fait. On va se blaguer un peu, mon petit Thierry. Ah. 9 millions de dollars, c'est beaucoup. Hein. 9 millions de dollars, ça fait combien? 1 million de dollars, 650 milliards. Faut taper, petit. Tape d'abord, tape, envoie le jeton. On tape bien là-bas. Même si on n'a pas son, hein, regardez ça. Ça soulage souvent, vous n'avez pas remarqué. Quand tu calcules le jeton de Messi, quoi, bien que tu n'as pas ça, mais tu es un peu content. Eh, mais tu vas me dire, Wallahi. Souvent, quand on parle d'un jeton à la télé comme ça, tu n'as pas ça, mais quand tu as ta son au cadre à ton téléphone, là, tu es un peu en jeu, il dit, eh, tu es ça là. Ça va aller. Donc, en cas calculé, mon frère, Inch'Allah, ça peut venir. Ah, ben tu vas me dire. Non, reviens. Il y a le milieu. Il y a 4 000. Faut faire 500, c'est 1. Faut faire 600 dollars, faire 600. Multiplié par 9 millions. Il a donné 5 milliards. 400 millions. 400 millions à Rihanna. 5 milliards. 400 millions. Il a donné 5 milliards. 400 millions. 400 millions à Rihanna. 20 ans. Et puis c'est belle seule. C'est pas elle seule, hein, famille. Quand elle seule a donné 5 milliards. Là, 400 millions. Alors que 1 milliard là. Non. Si tu bouffes 100 000 par jour. Écoutez. Tu vas bouffer ça pendant 83 ans, 3 mois. Avant que ça finit. L'un. 1 milliard. Si tu bouffes 7 heures matin et bouffes 100 000. Déjà, tu bouffes 100 000. Tu dois vivre quand pendant 83 ans, avant que ça a fini. Mais le gars, il a donné 5 milliards à Rihanna seul. 400 millions encore. Hein? Ah ouais. Les invités qui sont venus, chacun d'entre eux. Non, il a payé les billets d'avion. Hey.
C'est lui. C'est impuissant. Lui, lui il s'envole. Lui, on parle plus à faire. Lui, il ne parle plus à faire d'argent. C'est eux quand ils dépensent 400 millions. Quand ils dépensent 400 millions, c'est comme nous. On a dépensé notre baisse. On a dépensé le baisse. Non, ils n'ont plus à faire. Ils sont plus à ce niveau-là. Lui, comme ça, là, on peut comprendre. Lui, comme ça, là, on peut comprendre que quoi? Non. La mariée, là. Elle peut s'échanger. Mille fois même. Parce que les gens vont manger jusqu'à ils vont fuir. Wallahi. Mais toi, un coulé comme nous dans l'allée, tu t'es débrouillé, Neuf. Tu es allé voir tes oncles. Ah, tonton, vraiment, je vais me marier le mois prochain. Franchement, si tu pouvais t'occuper de côté chaise. Ah non, les gars. Les gars, franchement, vous savez, c'est mon mariage. Hein. Vous connaissez, vous devez scienser, les gars. Vous devez scienser. Hein. Les gars se débrouillent, ils t'envoient un petit 30 000, 40 000. Non. Tu rentres dans des choses, tu t'en fais bara. Bara que tu fais matin, son but te repose. Hein. Tu t'en travailles matin, soir, matin, soir, matin, soir. Tu côté, côté. Maintenant, tu le vois, il est assis dans la chambre. Non. Il calcule. Ça, c'est pour ça. Pour durer 300 000. Pour transport, 40 000. Pour préparation, non. 20 000. Pour bâche, 60 000. Lui-même, il souffre comme ça pour calculer. Mais c'est lui, hein? Non. Il s'élève pour dire, bon, elle vient lui dire, bon, il faut que je m'habille 5 fois. Et puis aussi, il remue sa tête. Il dit, ben, tu es vendu, mon frère. Tu es mort. Faut refuser, mon frère. Si elle t'aime réellement, elle va rester. Elle va pas rentrer dedans. Allah. Quand tu as dit, je fais pas, parce qu'après, là, dès qu'on finit le mariage, là, toi et moi, on doit manger pendant 3 mois. Wallahi. Personne ne va venir nous donner à manger ici. Personne. La seule chose que les gens vont faire, là, non. C'est venir constater s'il est enceinté. C'est tout. Après, ça n'a rien. 5 francs, ils ne vont pas donner. Donc, l'argent est tenu, là. On va garder, on va prendre pour manger. C'est comme ça on réfléchit. Wallah. Quand on n'a rien, puis on fait mariage. Claire. Mais regardez-nous aujourd'hui. Pour que chacun d'entre vous revoie, vous qui n'êtes pas encore marié, là. Si on t'impose ça, il faut dire que tu ne fais pas. Claire. Si elle dit que non, Marie ne va plus se parler, tu dis amen. Il faut partir. Il ne faut pas refuser, mon frère. Si c'est une bonne femme, non. Elle va avoir le souci que vous ayez beaucoup d'argent après. Wallah. Elle ne va pas avoir le souci que toi, tu pas fini ton argent. Claire. Mais si c'est fini, on mange comment? On mange comment? C'est un cadre, non, que ah, les imams m'ont dit quand on se marie, c'est le bonheur. Mais moi, je me suis marié. C'est malheur. C'est malheur. Depuis, on souffre seulement, on ne mange rien, on fait tant. Mais t'as tout dépensé, t'as mis quoi? Et cette nouvelle génération, c'est comme ça, elles sont maintenant. Elles font leur mariage en fonction des autres. Voilà. Non, ma camarade, dans son mariage, elle a mis écran géant. Elle a mis maquillage de 200 000. On t'a fait avec un écran géant blanc. Elle s'en fatigue le pauvre. Continuez. Continuez. Mais après, ne pleurez pas. On pleure pas. Hein? Ne pleurez pas. Et c'est ça, toujours, j'ai dit aux gens. Non. Garçon, là, pour échouer, là, dans le mariage, c'est difficile. Hein? Adoua, ça, c'est une vérité. C'est rare, même. C'est Dieu qui a fait ça quoi, sur nous. Un garçon, là, non. Même s'il se marie 50 fois, ils vont toujours dire que c'est un dieu. Wallahi billah. Mais une femme, déjà, qu'on apprend qu'elle a déjà 4 mariages, hey, on la voit déjà comme une mauvaise femme. Wallahi. Vous avez dit 4 fois l'idée. Non, je prends cette estimation. Mais posez-vous la question, pourquoi on te voit comme ça? Un homme. Non. Un homme. Il a 5 enfants. Écoutez. Il n'est pas encore marié. Oui. Il est capable de se marier facilement. Vite même, chef. Mais toi, tu as peut-être eu 4 enfants. Non. Ou bien 5 enfants. Hey. Et puis tu veux te remarier. La première chose, ça a piqué dans la tête des gens. Toi, tu vas l'entretenir avant les gens. Hein, tu vas le faire marier avant les gens. Ta propre maman va venir. Toi, tu as vu jusqu'à ce là-bas, tu es arrivé. Voilà. Faut nous respecter dans la famille ici. Et des gens. Faut nous respecter. Ça dit, même si toi-même, même si le monsieur veut là. Ouais, le débat. Ouais, le débat. Claire même. Même, voilà. Même ses amis, on va le laisser. Ses amis, champion, vas-y. Vas-y, tu es dans ce. Toi, c'est élément. Toi, c'est un vieux moment dans ta vie quoi. Toi, c'est un routier comme ça, tu es parti prendre. Ah, toi aussi.
ils vont dire des trucs pour te décourager. Claire. Donc pour dire les femmes, le mariage, non. C'est premièrement vous qui avez la force du mariage. Wallahi. Personne d'autre n'a la force du mariage, c'est la femme d'abord. Claire. Arrêtez de suivre les gens pour faire vos mariages. Vous voyez des gens, ils montent des trucs à TikTok où ils entendent s'amuser avec sa femme sur TikTok. Et tu vois les seins en bas. Non. Hey, Dieu. Mariage est doudé. Hey, Marie est doudé. Hey, Dieu. Alors que ces choses-là, c'est des mises en scène pour gagner l'argent sur TikTok. Claire. Dans la vraie vie, il y a un couple qui a fait ça. Ils ont fait ça un matin. Allez, ils ont bras, ils se sont bras. Et quand même, c'est la haine même. Chacun fait vidéo pour allumer l'autre indirectement. Il dit, mais ils ont fait vidéo, ils ont pu ensemble. Faut les divorcer aussi. Puisque tu suivais quand ils étaient, ils s'amusaient. Faut aller. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes dans les foyers sont influencées par ça. Voilà. Moi, il y a des vidéos. Quand on rentre là, quand on regarde, il sourit. Il fait ceci. Mais toi là. Que toi là. Tu fais pas ça. Allez. Toi, tu fais pas tant. Fallait aller, TikTok. Et retenez quelque chose, hein. Faut aller. Il n'y a pas quelque chose qu'un homme Nam. A horreur que le manque de respect. Wallahi billah. Que le manque de respect. C'est-à-dire, l'attitude du monsieur, c'est pas ça qui a été poussé à le manquer de respect. Jamais. Manque de respect. Wallahi billahi, c'est en train de divorce. À la minute. Simple, mais c'est pas nouvelle là. Un homme peut tout accepter. Claire. Mais le manque de respect. C'est en Europe que femmes discutent avec l'homme. Et puis le gif. Et puis le gif. Et puis il lui dit, tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû. Mais chez nous ici, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Oui, c'est un problème. Dès que tu m'as giflé. Non mais tu connais. Beaucoup de boucan. Mais quand le diarrhée, est-ce qu'il danse beaucoup? Maintenant, c'est un style. En tout cas, comme on disait, famille, il faut que nos soeurs comprennent. Le mariage, c'est elles qui ont la force de ça. Wallahi billah. Elles ne doivent pas suivre tout le monde. Claire. Ton mari, il a son comportement à lui. Nam. Essaye de le gérer comme ça. Mais aujourd'hui, elles veulent suivre tout le monde. Elles veulent imiter tout le monde. Wallah. C'est pour cela qu'elles échouent dans le foyer. Claire. Les gens n'échouent pas dans le mariage, hein? Jamais. Non. Et ça, on sait que c'est la réalité en Afrique. Donc quand tu sais ça, il faut réfléchir deux fois. Nos frères souffrent trop en Europe. Trop même. Elle est ici. C'est elle qui a donné l'eau. Non. Enfin. Elle s'abaisse. Elle s'abaisse pour donner l'eau. Abidjan ici, elle donne l'eau. Konaté dit, hé, hey, y'a Mousso. Akinde. Akinde. Avec Mbonya. Eh hey, mais respecte. Eh hey, non, ça c'est mon vrai mousseau. Il réfléchit maintenant. Il dit bon, on va faire partie Awa. Il se débrouille. Il fait partie Awa. Dès qu'Awa arrive en Europe là-bas, non. Dès qu'elle voit Tour Eiffel, hey. Elle tire une photo, elle poste. Hey. On dit ma chérie, tu es jolie. C'est gâté. Dès qu'elle arrive là. Ma chérie, tu vas échouer. Il n'y a pas que je suis cette terre. Non. Qu'on ne paye pas. Wallahi billah. En tout cas, tu vas payer un peu. Non. Je jure par Allah. Écoutez, je pose la question. Est-ce que c'est bien? Est-ce que le corps de l'homme là, c'est grillage ou bien c'est goudron? C'est pas mou? C'est mou. C'est pas mou? C'est mou. Ok. Éponge, c'est
c'est pas caoutchouc qui est dur. Mais quand tu te laves avec éponge, au bout de un an, ok. Au bout de un an, non. Je reprends pour l'exemple. Écoutez. Pour te dire que non, il n'y a pas quelque chose qu'on fait sur terre, oui, qui ne laisse pas de traces. Wallahi. Ou bien qui ne nous, qui se retourne pas contre nous, ou bien pour nous. La peau de l'homme, c'est pas mou, c'est mou. Bien sûr. Quand ça va acheter éponge, non. Vous voyez comme éponge à un, non? C'est dure façon qu'au début. Mais est-ce qu'on prend pour aller laver quelque chose qui est dur, éponge? Jamais. C'est pas quelque chose qui est mou qu'on prend pour aller laver. Claire. Mais pourquoi quelque chose qui est dur, on prend pour aller laver quelque chose qui est mou? Oui. Lui aussi, il devient mou. Ah. Là, là. Logiquement, l'éponge doit rester la même chose. Claire. Mais pourquoi l'éponge devient quand, vu que souvent l'éponge a ses coupes-coupes? Pour dire quoi? Il n'y a pas quelque chose sur terre. Non. Tu vas faire. Oui. Et puis tu as pensé que ça va revenir. Ça n'existe pas. Toi ou ta? Non. Tu vas prendre ça d'une autre manière. Claire. En brise, tu as payé ça. C'est pour ça qu'on fait du mal aux gens. Oui. Faut pas penser que tu es sauvé. Hein. Mais soit, je me rappelle, Kofi, on parle. Hey, lui qui a fait ça à Kofi, vraiment. Lui là, il sait qu'à Kiyama, il est mort. Hein. C'est lui, mais il a volé un oustaz, quoi. Vis-à-vis. Hein. Sans savoir. On partait prêcher à Chozo, à Bobo. On partait prêcher à Bobo. Donc on était dans le taxi. Écoutez. Kofi est en train de manipuler son téléphone vers Renault là. Là-bas, ah, ça c'est le ghetto. Hein. Mal même. Kofi était. Dès qu'il est toi là, tu es en train de faire ça, ils vont prendre ton téléphone. Hein. Tu t'amuses. Tu es en train de faire, ils vont prendre ton téléphone, toi Kofi là. Dès qu'il voulait dire, oh, tu sais, dès qu'il a dit, oh, maintenant. Ils ont enlevé ça à sa main. Tellement que il était surpris. Il est resté tranquille dans le véhicule là quoi. Voilà moi aussi. Hey crat, tu es mauvais. Je me moque seulement de mon gars. Et mes champions, tu as vu tes jours, tu les as pris là. Et après moi j'ai devenu petit maintenant. Donc le gars a pris le téléphone de Kofi. Non. Donc imagine. À Kiyama ça là. Les gens s'amusent, maman. Wallahi. Aujourd'hui, c'était des conseils qu'on voulait se donner sur beaucoup de choses. Claire. On dit chacun d'entre nous. Non. Au-delà des prêches. Écoutez bien. Il y a des choses de la vie active. Wallahi. Nous, on fait ça là. Non. C'est pas parce qu'on va avoir d'abord les choses de Dunia. Sinon, les gens nous connaissent. On sortait à 5 heures. Non. On arrive à 6 heures ici. On prêche. Jusqu'à midi. Jusqu'à midi. Et puis, c'est pas pour dire que non. On prêche. Et puis, on dit bon, Moubarak. Faut. Je me repose. Quand vous continuez. Quand le micro est dans ma main comme ça, ça parle. Ça, allons ça. Jusqu'à midi. Claire. C'est ici qu'on faisait ça. On finit net. On charge nos baffes. Et puis, en goût. On met dans le bus. Ça va. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire ça encore? Jamais. Est-ce que c'est parce que on est arrivé qu'on parle? Non, non, non. C'est-à-dire, il y a des choses dans la vie qui viennent, qui font qu'on décale d'autres choses. Mais il faut toujours rester dans ce qui tu es. Claire. C'est ça Dieu aime. Voilà. Dieu n'aime pas que... Dieu n'a jamais dit qu'il ne faut pas en pécher. Écoutez. Non, non, non. Mais bonne action que tu fais toujours avec Dieu, puis tu es, vous êtes toujours en contact. Oui. Faut rester dessus. Claire. C'est ça Dieu veut. Faut pas le laisser. Faut être constant. Sinon ça, ce que nous on fait là, c'est pas pour Dunia. Hein. C'est pas pour Dunia. Claire. Ça va nous servir petit seulement dans Dunia. Allah. Tout récompense de ça là, c'est dans l'au-delà. Parce qu'Allah a dit ça, surat 41,
le verset 30, 31. Écoutez. Soit 31, verset 31. Ceux qui disent, ouais, notre Seigneur est Allah, et qui se tiennent dans le droit chemin, les uns descendent sur eux. Qui prophète, va sur qui prophète pour belle parole. Okay. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, c'est Allah qui a dit, c'est pas moi. Et qui prophète une belle parole. Allah dit, qui dit, qui parle, qui comment, vas-y. Que celui qui appelle à Allah, celui qui appelle, c'est-à-dire celui qui ouvre les gens vers God, vas-y, fait bonne œuvre. Allah dit, si tu es là, il n'y a pas quelqu'un qui dépasse une personne qui dit aux gens, faut suivre Dieu. Allah dit, il n'y a pas un homme sur terre qui le dépasse. Président, l'homme, quoi. Si président ou général d'armée veut te dépasser là, écoutez, il doit faire ça aussi. Clair. Parce qu'Allah dit, il n'y a pas quelqu'un sur terre. Et qui prophète? Qui prophète? Qui parle? Plus belle parole. Plus belle parole. Que celui qui appelle à Allah. Celui qui va dire aux gens, il faut venir vers Dieu. Vas-y. Fais bonne œuvre et dis. Après que je viens vous dire, les gars, quittons d'affaires de drogue, quittons d'affaires de voyages, quittons d'affaires de choses. Je dois aussi me comporter bien. Fais bonne œuvre. Continue. Et dis. Et maintenant, quand il finit de faire tout ça, il dit quoi? Je suis un homme des musulmans. Il dit, ah, vraiment, je suis musulman maintenant. Mais pourquoi on ne dit pas musulman avant belle parole? Question. Et c'est belle parole avant de dire que tu es musulman. C'est-à-dire, c'est comme ça le musulman doit être. Claire. Avant qu'on ne l'identifie comme un musulman, Nam. Son parler, oui. Sa manière d'être, Nam. Quand les gens vont dire, mais attends, lui-même, il est de quelle religion même? Question. Et puis, dès qu'on dit qu'il est musulman, Nam. Ça crée le déclic dans le cœur des gens. Wallahi billah. Souvent, ça vous arrive. Musulman fait ça. Moi, c'est nouveau pour moi. Hein. Maintenant, il y a un frère, Nam. Qui a fait son témoignage. Et ça l'a permis de. Il dit ça l'a permis de croire en l'islam. Plus. Il dit, lui, il travaillait sur quoi? Il travaillait dans la ville normale. Maintenant, son travail qu'il devait aller faire, Nam. C'était d'aller travailler avec sur les yachts. Les gens qui. Les youths là. Il allait aller servir les clients là-bas. Mais alors quand il est arrivé là-bas, c'est des milliardaires. Donc on le payait on le payait 20 euros l'heure. Donc imagine, s'il a fait de 7 heures à 18 heures, il a fait 8 heures du temps. Ça fait 20 euros multiplié par 8 ans. Ça fait 160 euros. Ça fait environ combien? Ça fait, 5, ça fait 5, environ 75 000 par jour. On va dire 100 000. On va rendre à 100 000. Ça fait environ 100 000 par jour, lui, il gagne. Imagine. Donc quand il a fini de servir les riches là, Nam. Il dit il y a un riche qui s'est approché de lui. Écoutez. Le gars a fait sortir environ 5000 euros. Écoutez. Hein. 5000 euros, ça fait environ 3 millions. Et c'est ce que le gars lui dit. Le gars lui dit, bon, il va te donner ça. Mais il faut venir. On va se baudatiser. Que ça a resté en tout, mais après, tu me connais bien, je vais te donner plus. Le frère dit, il a dit, je ne peux pas faire ça. Il dit, quand il a dit, je ne peux pas faire ça, écoutez, le gars lui a retourné une question. Tu es musulman? Pourquoi le gars lui dit ça? Pourquoi? Il dit, je ne peux pas faire ça. Et puis le gars lui retourne la question, Nam. Tu es musulman? Parce que le gars qui lui ramène la question, tu es musulman? Oui. Il sait que le musulman de nature, Nam. De base, oui. N'est pas dans les bêtises comme ça. Wallahi, billahi, tallahi. Où ça arrive pendant le mois de Ramadan?
On dit, Madou, c'est toujours un bon musulman. Parce que Madou a changé de comportement, Madou a commencé à se comporter convenablement. Donc il dit, tu te joues maintenant un musulman. Donc à la conscience de tout le monde, il anime le musulman comme le non-musulman, ils savent que le musulman est celui qui se comporte convenablement. Donc vous voyez, il dit qu'il est parti en maison. Quand le gars il a dit oui, je suis musulman. Nam. Il dit, je m'en doutais pas. Un milliardaire qui lui a dit ça. Parce qu'il sait. Oui. Ceux qui sont faciles ont les mains sur le plus souvent. Ça y est, quand la personne réellement est bon musulman pour le mettre dans un jeu, c'est difficile. Oh, merci de l'œuvre. Donc, pour dire famille, non. Restez sur cette religion. Wallahi. Comportez-vous bien. Claire. Pratiquez la religion comme il se doit. Non. Vous êtes des ambassadeurs. Ça dit qu'on vous voit quelque part, on voit l'islam. Wallahi. Avant qu'on dise, on lit ça m'a dit là. Non. C'est toi le musulman, on regarde pour dire que l'islam m'a dit. Claire. Quand on dit les gens nous traitent les terroristes, ils disent toutes sortes de choses. Oui. C'est pas parce qu'ils sont allés voir dans nos textes là-bas que l'islam fait le terrorisme. C'est parce qu'ils ont vu des soi-disant gens qui disent non, que eux ils sont musulmans, ils sont venus défendre. Claire. Donc vous comprenez. Chacun d'entre vous, vous devez vous comporter. Parce qu'il n'aura plus. Et actuellement, il est quelle heure? Il est 18h15. En ce vendredi 13 septembre 2024. De vous à moi ici. Non. Qui va avoir encore 18h 13 septembre 2024 dans sa vie encore? Qui va avoir ça? Personne. On va plus avoir ça jusqu'à on va aller dans la tombe. C'est pour dire, c'est notre histoire. C'est mon histoire, c'est ton histoire. Claire. Après toi. Wallahi. Après toi. Nam. Quand ils vont aller peut-être te déposer à Williamsville. Wallahi. À 16h. Nam. Les gens vont se retourner. Oui. 18h va tomber sur toi là-bas. Toi seul. 19h va tomber sur toi là-bas. Toi seul. 20h va tomber sur toi là-bas. Tu es seul là-bas. Minuit va tomber sur toi là-bas. Maman n'est pas là-bas. Loin de ta télé. Papa n'est pas là-bas. Loin de ton téléphone. Wallahi. Loin de ta montre. Nam. Loin de ton TikTok. Wallahi. Loin de ton Facebook. Billah. Tu es là-bas. Toi seul. Tu vas t'en rendre compte. Nam. Que tu n'es plus dans le monde de ceux qui vivent. Wallahi billah. Mais pendant ce temps, Nam. Ne pense pas que les vécus ne vont pas circuler. La vie ne va pas bouger. Hein. C'est faux. Wallahi. Pendant que toi tu seras là-bas, Nam. La nuit, les gens continuent la vie. Claire. J'ai même dans mon frère, non. Ça va t'arriver, ça va m'arriver. Claire, est-ce que tu t'es préparé? Question. Est-ce qu'aujourd'hui, si Allah non. décide de te rappeler, oui, tu as quelque chose pour lui présenter? Question. C'est pour ça là, il dit dans Sourate 54, verset 17. Qu'est-ce que vous avez avancé pour demain? On prend Sourate les hypocrites. À partir du verset 9 à 10 à 11. Pour dire, mon frère. Nam. Ce jour arrive dès Wallahi. Qu'on le veuille ou pas, ça va arriver. Claire. Actuellement, ta main bouge. Claire. Tes pieds bougent. Wallahi. Regardez, Madou, bien chose. Awa. Il est sur la cour commune. Quand il veut aller se laver, tu vois chose. Madou, il prend son eau. Nam. Il prend son eau, hein, son boubou. Il met cuidant. Il met sa civette sur lui. Je vois, il commence à marcher dans la cour. Ah. Mais un matin, l'eau là, tu as pu soulever. Hein. Claire. C'est d'autres personnes qui vont soulever l'eau là pour mettre sur toi. De toute façon, peut-être tu attachais ta serviette pour cacher ton truc là. Non. Un matin. Ah, nous tous en voisin. Qui parmi les UP ses mains nues? Personne. Qui? Sauf personne, si non. Sauf si tu es devenu fou. Sauf si tu es fou, non. Hein? Non, c'est dit, on dirait qu'on est mort, on est fou. Hein? Hey. Ben là-bas, on est nu. Ou bien, on borrow ton amba. Imagine, il avait un nid là-bas. Ils vont laver ça. Hey. Mon frère, vous voyez comme c'est triste, non? Wallahi billah. Vous voyez comme c'est triste, non? Claire. Et ton numéro, les gens ne vont plus appeler dessus. Qui le connaît? Au bout d'une semaine d'abord. D'abord, on va mettre ça sur nous pour voir si tu n'es pas qu'un tiers jeton. Quand la voix appelé là.
Et il y a toujours des cousins, c'est eux qui se jouent aux réceptionnistes des jetons. Les vrais voyous. Mon frère, faut arrêter ça là. Claire. Quand un décès naît, c'est toujours lui qui prend un cahier pour noter. Pour noter les jetons qui jouent. Si moi, il m'en vais avant vous là. Ah, petit. Vous allez passer une semaine à te prêcher sur moi. Là, tout ça, là, dit. Écradit. Ma vidéo va passer sur page et nous dit Djama, un peu de temps, au moins un mois, chacun peut-être va commencer à mettre ma vidéo où il y a déjà fou là. Il y a d'autres qui ont mis ça sur leur profil. Il y a d'autres qui vont vouloir se jouer au voyou même. Il va aller coller mettre ma photo à côté. Et lui, il va faire quoi? Mais trois jours après, quand ils vont me jeter quelque part là-bas, écoutez, tu vas le voir sa prochaine vidéo. Nam. Il est assis dans un restaurant en train de filmer, il a fait un Snapchat en train de manger glace. Ah, il m'a oublié. C'est fini, écra. Et moi je suis heureux. Voilà. Vous voyez pas comme je suis relax quand je parle de la mort. Il y a d'autres qui se poussent la comme mais écran, pourquoi il est comme ça? Je suis relax. Parce que je peux aller taper ma poitrine là-bas. Claire. Quand on dit non d'aller en Europe, excusez, c'est pas pour attaquer les frères là. Ceux qui doivent aller en Europe. Non. Ils n'ont pas de passeport. Écoutez. Ils n'ont pas de bon jeton. Non. Ils n'ont pas quelque chose qui les attend là-bas. Écoutez. Ils ont peur, non? Wallahi billah. Mais imagine, toi quand tu dois aller en Europe, tu n'as pas assez d'argent. Tu as seulement que 1000 euros, on dit toi aller en Europe. Tu as peur déjà dans quel coin tu as dormi. Claire. Comment tu vas dépenser? Billah. Souvent même tu arrives au village. Quand tu n'as pas bon Dieu sur toi là, tu vois comme c'est limité, non? Quand tu arrives au village, tu vois comme c'est limité. Mais imagine, tu arrives au village, tu dois faire une semaine là-bas. Non. On sait bien que c'est jeton qui gère. Voilà. Imagine, puis maintenant tu as 2 millions sur toi. Hein? Même le chef des villages, même va te reconnaître. Quand tu imagines là. C'est des fois enfin. On dit, Marou bébé. Ouais. Bon, on veut boiter les choses là. Le nom de l'été là. Oh, comment? Ashura. On veut boire Ashura. Il fait sortir mon pays 5 Ashura. Bon, et puis un peu d'arachide dessus là. Parce que quoi? Jeton est calé. Claire. Et puis lui-même, il est toujours pressé d'aller dans les grains où il va dépenser. Voilà, il passait le bien là. Nam. Tu es arrivé au village. C'est seulement 50 000 qui est sur toi. Tu es parti à 50 000, tu as déjà dépensé 10 000. Tu sais, ton retour c'est 10 000. La vieille peut-être là-bas, tu as donné 5 000. Quand tu calcules, dès qu'on te cherche, Madou, viens au grain, on va chez. Bon, les gars, j'arrive. Hein. Il vient. Parce que quoi, tu n'es pas serein, tu es limité. C'est comme ça l'eau de là aussi. Voilà. Allah a dit quelles sont les choses de l'eau de là. Voilà. Un, parler de moi. Non. Deux, se comporter bien. Non. Trois, essayer de dépenser pour les gens dans l'ombre et dans le secret. Voilà. Donc quand il a parlé de la mort, il serait tranquille et serein. En mode serein. Lis-moi mon verset, puis on chie par là. Sorata. Au verset 9. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Que ni vos biens. Que ni vos biens. Ni vos enfants. Ni vos enfants. Ne vous distrait du rappel d'Allah. Faut pas ça te distrait du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela. Et quiconque fait cela. Alors. Alors. Cela. Cela. Seront les perdants. Seront les perdants. Et dépenser. Et Allah dit quoi? Dépenser. De ce que nous vous avons octroyé. De ce que Dieu t'a donné. Allah dit, il faut dépenser. Avant que la mort ne vienne à l'un de vous. Madou, avant que la mort ne vienne à l'un de vous, là, les frères, vous voyez, il y a plus de 10 frères qui viennent ici. Non. Mais quand ils finissent de partir à la maison, chacun dépense au moins 1000 francs pour aller. Moi, je ne vous ai pas payé carburant pour ma voiture. Hein. Mais les frères, ils viennent ici. À chacun d'entre eux, au moins, c'est rien, c'est 1000 francs. Mais quand ils veulent partir, quand on regarde, c'est 3000 que les gens ont cotisé pour leur donner. Regardez les choses comme ça. Et dépenser. Madou, c'est pas moi qui ai dit, c'est Allah qui a dit. Il faut dépenser. Et dépenser. Uh-huh. De ce que nous vous avons octroyé. Uh-huh.
Avant que la mort ne vienne. Avant que la mort ne vienne. À l'un de vous. À l'un de vous. Et qu'ils disent alors. Et maintenant tu vas commencer à dire. Seigneur. Et Allah. Si seulement. Et si seulement tu m'accordais un coup de l'air, si tu pouvais me ramener encore sur terre, je ferais le monde. Et je vais donner. Et serai parmi les gens de paix. Et puis je vais plus être parmi les voyous. Là. Mais Allah dit quoi? Allah cependant n'accorde jamais le délai à une âme dont le thème est arrivé. C'est-à-dire à jamais. Si ton heure arrivait, rien ne pourra empêcher. Foyt. Sur ce. H. Ash. Hadou. An. La ila. Ilallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Ash. Hadou. An. La ilaha. Ilallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah bénisse sa Côte d'Ivoire. Qu'Allah protège nos autorités. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.